En quoi l'initiative populaire, maximum 10% du revenu pour les primes d'assurance maladie, consiste-t-elle? Depuis 1996, l'assurance maladie prend en charge les coûts de santé. En Suisse, l'assurance maladie est obligatoire. Tous les assurés doivent payer une prime à la caisse maladie. Depuis l'introduction de l'assurance maladie, les coûts de santé n'ont cessé d'augmenter. Pour couvrir ces coûts, les primes ont été régulièrement augmentées. Les personnes qui ne peuvent pas ou à peine se permettre de payer la prime peuvent demander une réduction de prime. Le montant de la réduction de prime et les personnes qui en bénéficient varient d'un canton à l'autre. Le financement de la réduction des primes est réparti entre la Confédération et les cantons. La Confédération adapte la réduction au coût de la santé. Les cantons peuvent décider eux-mêmes dans quelle mesure ils adaptent la réduction de prime. Une initiative populaire a été déposée, demandant que la prime ne dépasse pas 10% du revenu disponible. C'est pour cette raison que nous votons à présent à ce sujet. Le Conseil fédéral et le Parlement ont élaboré un contre-projet indirect à l'initiative. Qu'est-ce qui changerait? Si l'initiative populaire est acceptée, les personnes assurées ne doivent pas payer plus de 10% de leurs revenus disponibles pour les primes. Il revient au Parlement de décider comment le revenu disponible est fixé. Si la prime est supérieure à 10% du revenu disponible, la personne bénéficie d'une réduction de prime. Par conséquent, la Confédération et les cantons doivent augmenter les réductions. La Confédération prend en charge au moins 2/3 des réductions de prime. Les coûts supplémentaires sont estimés entre 3,5 et 5 milliards de francs par an. Quels sont les arguments des partisanes et des partisans? Le montant des primes est indépendant du revenu. Une réduction plus importante des primes répartit les coûts de la santé de manière plus équitable. Les primes augmentent chaque année, mais pas le revenu. Un plafond adapté au revenu freine cette évolution. Jusqu'à présent, les assurés devaient payer l'augmentation des coûts de la santé. L'initiative demande que la politique change cela. Quels sont les arguments des opposantes et des opposants? L'initiative a des coûts élevés pour la Confédération et les cantons. Pour compenser cela, des augmentations d'impôts ou des mesures d'économie sont possibles. Si la Confédération paie davantage, les cantons, qui influencent les coûts de la santé, ont moins de pression pour organiser les soins efficacement. Un plafond supérieur des primes ne freine pas la hausse des coûts de la santé. Si tu souhaites que l'initiative populaire d'allègement des primes soit acceptée, alors vote oui. Si tu souhaites qu'elle soit refusée, vote non.